Bon, on avait dit qu'on voulait les chiens, qu'on voulait les poules. On va prendre. Si, on va prendre la. Une brebis avec un mouton, ça nous fera de la laine. Et de la laine, on en aura besoin pour faire des vêtements. On va prendre un coq. On va prendre tous les chiens, par contre. Les chiens, on les mangera si jamais il y a besoin. Ah, on a moins de poules que tout à l'heure. Ah, je suis un peu dégoûté. Tout ce qui est de la boisson, voilà, ça on prend. Wheat seed, plump helmet spawn bag. Ça on peut le prendre. Pigtail, ça nous servira quand même. Plump helmet, ça c'est, voilà, ok. Cavwheat, pigtail, bof. Pour le reste, c'est des légumes. On va prendre tous les légumes. Ok, bon, pour l'instant, il n'est pas content. Ça lui va pas. Ça lui va pas. Et on peut prendre les strawberries, parce que pourquoi pas. Donc, pour ce faire, on va mettre un petit truc à 500 balles. Déjà, le calmer. On va lui mettre nos petites gemmes les plus chères. On a quelques-unes. 300. Il y en a une à 200 ici. 200 là. Petite à 500 là. Peut-être pas quand même. Si j'enlève celle à 200 et je mets celle à 500. Ok, ça va déjà mieux. Ça me plaît mieux. On n'en arrive pas. Faut en mettre quelques-unes à 40. Voilà. Allez. Et on va sauvegarder ici. Voilà. Parce qu'à un moment, bon, j'ai pas envie de refaire les ventes à chaque fois. Hein. Ah mince, j'aurais dû le faire après avoir mis les animaux là-dedans. Ah, c'est vrai qu'on a une. On a une oie. L'oie pourrait nous faire des œufs. Ah, j'ai pas fait la zone pour les œufs. Bah oui, mais forcément. Vous me le dites pas. Par contre, on a des. On a quoi ça? C'est duck mâle. Ah non, c'est une femelle. Ah, on a deux cannes. Bah merde. Si on me dit rien, moi aussi, comment voulez-vous que je sache? On me dit jamais rien aussi. Et oui, on ne le dit pas. Ouais, mais je sais bien. Ouais. Par contre, est-ce qu'on a fait ça? J'ai pas de potato. On se démerde. On se démerde. Ok. Est-ce qu'on les remettrait pas en entraînement? D'accord, ils s'entraînent. Ce qu'on avait dit, par contre, est-ce que c'était...
Est-ce qu'on fait la zone pour les œufs? Une zone en dessous. Si je fais ça, je vais avoir ça ici. Ah ouais, mais c'est d'accord, c'est le niveau en dessous que j'ai posé ça. Est-ce que le niveau au-dessus, je fais la ferme? Parce que là, on pourrait tout à fait faire. Ah oui, mais oui. On va faire ça. Et on fera la zone pour les œufs. On va le faire. C'est ce que je suis en train de penser, la zone de ponte. Je suis en train d'y penser, justement. On va la faire ici, je pense. Et on avait fait une zone aussi pour l'armure, mais elle a disparu forcément. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon. Et est-ce que mes nains s'entraînent? Ils ont l'air de s'entraîner. Ils sont en train de s'entraîner. Pétition. Va te faire voir. J'ai assez de gars comme ça. Hein. Non, mais c'est vrai, quoi. Les gars, ils veulent tous venir chez moi. C'est bien gentil, mais. Et j'ai mis des cages ici. Après, on pourrait faire des pièges hein, ici pour que les troglodytes ne viennent pas. Mais pour les pièges, est-ce qu'il faut des mécanismes? Je sais plus. J'avoue que je sais plus. Oui, non, mais en fait, ils tuent après, ils peuvent aller se battre en dehors, c'est pas le souci, mais. C'est vrai qu'on a deux clusters là. Je vais peut-être récupérer ça, moi. Est-ce qu'on a... Ah si, il y en a qui vont s'équiper de bottes quand même.
Mais ça marche pas? Ah si, il y en a qui s'équipent, d'accord. Mais pourtant, on a bien des casques, mais ils veulent pas s'en équiper. Pourquoi ils veulent pas s'équiper de... Bonsoir à toi, Tripicarty. Alors c'est pas ici que tu vas avoir du grand dwarf, hein, malheureusement, mais je tâche de faire des choses si possible. On va faire ça. Ouais, c'est déjà pas mal. On va peut-être les arrêter de s'entraîner pour l'instant pour qu'ils creusent un petit peu plus et qu'ils reviennent aux affaires. Axe Dwarf, ok. Pétition, non. Tu rejoins pas plus. On a assez de... C'était quoi cette bestiole? Il y avait une bestiole ici. Ah, c'est une chauve-souris! Ah si, par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut attacher les chiens. On peut attacher les chiens, mais comment on fait ça déjà? Rope and chain. Et on peut faire que les chiens soient l'entrée. On va faire ça. On va en faire une là. Et on va se mettre à l'entrée pour éviter justement que les petits voleurs viennent. Et au truc en question, on peut mettre les chiens. J'y pense maintenant, mais en plus je le savais ça. Ils sont où en équipement? Ah bah oui, ouais, voilà. Allez, on s'équipe les gars là. Et donc à ça, on peut mettre un chien. Ah, j'ai... Oui, mais j'ai quoi comme chien? Je vais mettre un mâle. Je mettrai une femelle à côté. Et ça... Comme ça devrait déjà bloquer les troglodytes parce que... Là, je vais mettre une femelle. On a repris des gens qui sont un peu plus contents déjà. C'est déjà... On est déjà un peu en train de remonter le moral de tout le monde. C'est compliqué, mais on essaye. Oh merde! Oh la merde! Il y a trop de monde! Arrêtez! Je viens de prendre 10 personnes là d'un coup! Ah merde! C'était pas prévu ça, madame! C'était pas bien prévu ça! C'est deux de moins qu'avant le bug. Oui, bah, qu'est-ce que vous voulez? On va faire avec, hein. F5. Combien? Plus 10, ouais, bah oui, c'est un peu ça.
Voilà, donc j'ai les chiens qui surveillent, c'est déjà bien. Donc comme ça, les entrées sont surveillées. J'avais oublié ce coup-là. Et eux s'entraînent toujours. Est-ce que temporairement, on leur demanderait pas... Par contre, ils ont toujours pas mis des trucs ou quoi. Ah si, c'est bon! Ah, purée, ils ont eu des idées de génie. Donc... Ah, ils commencent à s'équiper. Ouais, on est pas mal. Alors, on va faire ça, on va arrêter. En schedule, on va les passer en off duty et comme ça ils vont revenir. Ok, pas mal. Et on va voir des lits à manger, à boire, des lits à manger? Non, des lits à manger pas trop, mais ah, je te taquine. Non, ils doivent, enfin, on va pouvoir leur mettre du boulot, ça c'est sûr, mais. Oula, 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 oula. Un ver de terre géant? Ah bah il s'est fait défoncer le ver de terre géant. Merci pour lui, mais je crois que ça s'est mal passé pour sa gueule, hein. Ah, il faut que je mette deux chiens ici aussi. On va mettre lui. Alors j'espère que ça va pas m'enlever les chiens que j'avais mis ici, mais normalement ça aurait été bon. Ok, ça c'est quasiment fini. Est-ce que j'ai assez de quoi faire un sol supplémentaire? Construction, sol. Qu'est-ce que j'ai? J'ai du rock salt. Ok. J'ai pas besoin de faire plus de blocs que ça, on va prendre les blocs que j'ai sous la main. Putain, je me suis fait défoncer les blocs en fait, pour le coup. Parce que là j'ai 10. Non, j'ai pas assez de blocs. Est-ce qu'il faudrait pas que... je fasse... Et est-ce que ça va faire ça? Et non, ça fait pas. Pourquoi on n'a pas le passage ici alors?
Et donc là, on avait dit qu'on voulait mettre de quoi de quoi faire faire des poules. À creuser en plus ici. De toute façon, en termes de nourriture, on est bien. En termes de boisson, on n'est pas si mal. Il y a encore pas mal à creuser, pas mal à. De la limonite, parfait. Bon, déjà ça creuse. Je vais pas m'en plaindre, ça creuse. Donc, je vais avoir de la pierre supplémentaire. Ok. Les chiens surveillent les entrées pour l'instant. Par contre, je suis content. J'ai deux petits poulains, un mâle et une femelle à chaque fois. Et là, on va pouvoir mettre des portes. Toc. Ceci et cela. Stonecrafter. D'accord, très bien. Félicitations. Sont déjà deux, trois minés, c'est déjà pas mal. Faudra peut-être qu'on mette plus de mineurs plus tard, mais est-ce que j'ai fait des nests? Est-ce que j'ai fait de quoi faire des nests? Est-ce que j'ai ça, nest? Non, j'ai pas ça. Nest, c'est dans. Ah, c'est peut-être en bois. C'est wooden? Non, c'est dans quoi? Merde, c'est dans quoi, Nest? Ah non, pas ça. Non. Ah zut! On va y arriver. Excusez-moi. J'essaye. Ok. Nest. C'est dans quoi, Nest? Ah, je sais plus. Si, c'est là-dedans normalement, Nest. Bucket, cabinet, cage, chest, door, floodgate, pédestal. Ah, c'est vrai qu'il faut des pédestals, je crois, pour mettre les livres et les bouquins. Wooden wheelbarrow, messager déjà. Ça serait là-dedans. Ah, ou c'est hatch? Si, mais c'est Nest normalement. Je suis pas tout à fait con. Je suis pas aidé comme gamin, mais. D'accord, il y a bien Nest. Nest Box. D'accord.
Bismuth, etc. Black bronze, métal, brass, nestbox, copper. Et pourquoi faut les faire en acier les nests? C'est n'importe quoi. On est bien d'accord que Nest, c'est... Je suis pas complètement... Enfin, mon anglais est peut-être pas super étendu, mais... Ou c'est Hatch? Nest, c'est Nid, c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. Alors pourquoi il faudrait que je le fasse en... Est-ce que si je mets wooden? Nest. Ah bah oui, voilà. Wooden nest box. Donc on peut bien les faire en bois. Alors pourquoi il veut pas me les faire? C'est une construction. Ah mais non, c'est une construction, je suis con. Ah, c'est une construction. Eh oui, faut que je vienne ici. C'est workshop, farming et nest. Voilà. Ah oui, eh ben oui. Oh non! Alors attendez. Le leader de l'expédition est possédé. Alors. C'est lui le leader de l'expédition? Urist Beta Midden. Urist, il est où? Alors attendez, on va le chercher directement comme ça. Urist Beta Midden. Va faire comme ça. Il est où? Et il est où Urist? Il est où leader d'expédition là? Ah, voilà. Tac. Il est dans un strange wood. Donc non, il n'y a pas besoin d'être à 40. Mais peut-être déjà 30 ou 35, ça peut sembler normal. Alors normalement, qu'est-ce qu'il faut pour ça? Ah, il veut prier à Tozid, mais pour l'instant, je m'en fous. Alors, c'est dans quoi qu'on a ça? Item, elf, skill, room, labor. Peut-être non. Dans les pensées. C'est dans quoi qu'il faut aller chercher? Ah! Ouais, mais je veux bien, mais... Ah, il est là, Urist. Bah, suivons-le. Ah, il a été... D'accord, ok. Il a claim. Qu'est-ce qu'il veut? Donc il a claim ça. Moi je veux bien, mais comment je sais ce qu'il veut exactement? Ouais, mais s'il lui manque des choses, je sais comment. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Ah, si, je crois qu'il lui manque des choses. Dans l'onglet atelier.
Ah non, il a l'air d'avoir. Il a l'air d'avoir ce qu'il veut. Non? Et par contre, alors il faut savoir, alors ça c'est un truc, je sais pas si vous le savez, mais s'il réussit son Strange Mood, donc s'il réussit en fait le truc qu'il veut fabriquer, il a une chance, alors je sais plus le pourcentage, mais il a une chance de devenir légendaire dans un skill. Parce qu'en fait, pour eux, c'est comme un RPG, hein, les gars progressent, etc., tout va bien. Ouais, il a commencé sa construction mystérieuse, tout va bien. Il en a... Mais aussi bien, il va fabriquer de la merde, hein. Ils sont plus ou moins mécontents. Non, bah, ça va, ils sont que 7, 7 sur 38, c'est rien. C'est pas la majorité. À un moment, voilà quoi. Il y a... elle voit des arcs-en-ciel. Non, non, tu plantes pas, tu plantes pas, tu sauvegardes, tu plantes pas. Oui, ça va donner un artefact, mais ça, y a aussi une chance que ça le mette dans un skill légendaire sur, ben là par exemple sur le Craftsman. C'est ça, c'est Craftsman ça. Hein. Ouais, donc en Craftsmanship, il y a moyen qu'il devienne très skill quoi. Moi je vais aller là.